Joudian, laissez frapper qui gagne. Côté que nous t'as dû concentrer sous question économique. Nous t'as dû concentrer sous création d'emplois. Nous t'as dû concentrer sous création de richesses qui pour permettre de réduire la pauvreté dans le pays. Hein? Nous constamment y en a beaucoup mal. Nous plutôt rentrer dans laisser frapper pays loc. Nous plutôt rentrer dans laisser frapper 509. Nous rentrer dans toute forme de combat qui objectif yo c'est détruire beaucoup plus. Mm. Donc jodi an, lorsque une société qui arrive dans la dimension ça, est-ce que ou pas de dire tout, est-ce que pas de gagner un autre contrat social? Monsieur, maintenant, le point non. fondamental, c'est que en face là, la point des nouvelles constitutions, le président Jovenel Moïse, il est au pouvoir, il est en fin de mandat, il ne sera pas, il n'ira pas aux élections, il n'est pas candidat, il n'est pas supporté qu'un groupe. Eh bien, pourquoi pas? Mettez ensemble avec elle, bon avant-projet de constitution, bon avant-projet constitutionnel là, oui, hein? Son référendum qui vous fait, c'est le peuple qui vous vote. Pour qui ça, messieurs, pas organisé, messieurs, dames, pas organisé, pour nous travailler sur avant-projet, hein? Mettez que ça n'a rien la donne, et à partir de ça n'a rien la donne, li entrer en référendum, et à ce moment-là, si nous pas rien nous fait peuple à voter, non? Si nous rien nous fait peuple à voter, oui! Ça veut dire que aujourd'hui, pour moi, jouette démocratique là, li doué dans débat, jouette démocratique là, li doué dans élection, jouette démocratique là, li pas doué dans laisser frapper. Mais en fait, aujourd'hui, c'est comme ça que Wendell et que m'a pris. Moi, oui, parce que moi, regardez le volume moun qui t'a dit, Constitution 87 pas bon, Constitution 87 qui ça, yo voulait changer Constitution, yo fait mariotte. Yo mettez document de yo pour changer constitution et puis parce que pour faire une nouvelle constitution et puis qu'on y a un projet de nouvelle constitution même moun sa yo qui était pour nouvelle constitution jodi an k ap di peuple la an krasé brisé an détruit parce que nous pas vle constitution nous vle garder la constitution de 1987. Maintenant l'initiative en cours qui est un avant projet pour une nouvelle constitution. Moi, je crois que je dis, hein, faut nos amis, frères de l'opposition, font-ils camper sous obsession, faut nous rejouvenir l'aller, et c'est ça qui est seule obsession, je dis. Hein. En nous, prend président Omo, il y a un projet en vigueur et en circulation. On prend un projet ça, on nous fait de ce projet ça un projet national, et à partir de ce projet national, doté cette nation d'une nouvelle constitution, certainement, le peuple aura décidé avec bulletin de vote, oui ou non, s'il voulait, et certainement, faire des élections, côté que tout le monde a élu pour 5 ans, et que le pays a un petit break dans l'instabilité de la constitution. C'est un texte qui traduit le contrat social entre les Haïtiens, et que seul monde qui a sanctionné, c'est le peuple haïtien. Moi, je pense que je vous dis, hein, laissons au peuple de décider. Et seul côté pour le décider, c'est à travers un référendum. Côté que, il pourra voter oui ou non. Pourquoi avoir peur de la consultation populaire? Parce que ce sont presque obsessions en Haïti.